bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de God of War. Nous en sommes à l'épisode 17 et on venait de faire tomber un marteau gigantesque en espérant libérer l'endroit où le burin... La bande du burin était en... Laisse-le faire, cet homme a un certain talent pour la destruction. Ne l'oublie pas, tête. J'y pense à chaque seconde. Ok. Donc on est parti, jusqu'ici pas trop de soucis. Alors l'épisode dernier, incroyable, incroyable, on s'est battu les gars. J'ai donné, oh j'ai donné tout ce que je pouvais, c'était beau. C'était pour la France tout ça les gars, ok. Donc on va y aller, attendez, pardon. Je peux pas aller en dessous là, il y a un coffre, les gars s'il vous plaît. Hop c'est rien, ça arrive, on est large. Attendez parce que là je me suis fait Jean-Patrick Housse. Est-ce que... N'est pas tombé tout seul! Bien, si on les trouve, tu me laisses le passer, hein? Mais qu'est-ce qui cloche chez toi? Ok, d'accord, ok. Il y a le fer de Thor, les gars. Il y a le fer de Thor. Ok, ça c'est cool. Je prends de l'acier massif, putain, juste pour de l'acier. Ils auraient pu me donner une rune, allez, au pif, légendaire, un petit peu cool, tu vois. Il y a le frère de Thor, c'est la merde, je sais déjà plus comment il s'appelle ce con. De toute façon, on va pas avoir le temps de faire connaissance, on risque de se mettre des frontales, ça risque d'être terrible. Ok. On a des méchants pas très gentils. Ils vont tous se réveiller, ça va être terrible. Ok, ça va, ça va. Franchement, s'il s'était réveillé, c'est la faute à pas de bol. Ok, on va aller là-dessus. Attendez. J'ai peut-être un petit doute quant à là-haut, ce qu'on peut faire, non? Rien du tout? My bad. Je pense qu'il va y avoir un combat incroyable, les gars. Quelque chose me dit que cet épisode va être hors norme. À mon avis... Les hommes qui étaient avec Baldur, ses neveux? Oui. Magni et Modi, les fils de Thor. Ner disait toujours que les As étaient les pires des dieux, et que Thor était le pire des As. J'imagine que c'est aussi un mauvais père. Ce ne sont plus des enfants. Ils n'ont pas d'excuses. Sindri va s'en sortir? Ils ne le trouveront jamais. Bah oui, parce qu'il me semble que Sindri est totalement invisible, évidemment. Ok, c'est parti, on a trouvé masse de thunes. Là, je sais pas du tout ce qui va se passer. C'est très bizarre, le fait qu'il soit là. Ok, on a encore une porte. Ah, la grande salle de festin. La fierté de Midgard. C'est drôle, j'avais le souvenir qu'il y avait un immense chandelier. Il donnait vie à ce lieu. Là. Okay. Tu ne peux vraiment pas t'empêcher de tout détruire. D'accord, il s'approche partout, hein. Ah! Ah, ceci est fort problématique. Si je fais ça par hasard. Ok, très bien. Bon, on a de la glace. Si je me souviens bien, le trône du Jarl se trouvait juste de l'autre côté de ce mur de glace. On a de la glace un petit peu partout. De l'autre côté de ce mur de glace. Déjà, ça, on va le soulever. Enfin, on va en prendre un morceau. Ce sera déjà pas mal. Ah! Ah oui! Ça, c'est chiant. Ok, ça, c'est pas mal, ça. Ok, ça, c'est pas mal, ça. Ok, attention. Ah, dommage. Ok. Allez, c'est pas grave. Non, pas lui. Pas lui, putain. Je suis mort. J'ai pas fait assez de dégâts avec le mode rage. Il fait quoi, là? Aïe. Quoi? Ça dégage, ça va être terrible, les gars. Aïe! Aïe! Ça, c'est pas mal. Ça, c'est le sport. Yes! Allez, ça, c'est fait. J'ai eu très, très peur. Pour être très honnête avec vous, on va lui mettre totalement ce qu'il mérite. On va l'arracher. On va récupérer son propre totem, son arme, appelez-le comme vous voulez, on s'en fout. Et on lui met ce qu'il mérite. Ça dégage.
Et ça, c'est bon. Je récupère. On voit une sortie. Oh. Il n'y a aucun moyen de l'atteindre. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Ruée de sanglier. Ah, ça, c'est pas mal en vrai. Ça a l'air pas mal à la place de la colère des loups. Ça a l'air pas mal. Par contre, le loup a l'air clairement plus agressif. Le loup fait beaucoup plus de dégâts, forcément, parce qu'il va se focus sur un seul ennemi. Mais bon, au moins, on a une nouvelle rune. On va pouvoir essayer pas mal de petites choses intéressantes. Bon, malheureusement, c'était pas spécialement le bon chemin. Est-ce que si par hasard, sur un malentendu, je le mets là? On a quelque chose aussi, très bien. Aïe, 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 aïe. Ok, derrière chaque mur de glace se cache. Oh là 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 là, c'est tellement beau! Ok. Désolé, je me concentre, hein. Je peux pas parler énormément dans des coups. Waouh! Mec, c'est quoi? Oh, il est fou celui-là! Oh, tout ça pour ça en plus! Oh, très bien. Très très bien, très très bien, très très bien. Les gars, j'aimerais qu'on se calme 5 minutes. Juste 5 minutes. Derrière chaque truc de glace, je me fais arracher. Hein. On va pas se mytho là-dessus. C'est parti! Qu'est-ce que c'est que cette sombrerie? Ok. Ça, c'est pas mal. Oh là là. Waouh! Non, il m'a mis... Non, je suis désolé. Il m'a mis une patate téléguidée. Ça, c'est tellement injuste. Ça fait vraiment que j'arrive à l'arracher. Rapidement. On va prendre la... Oh là là. Calme-toi. Calme-toi. Mais... Pourquoi je pense que je mérite ces mecs? Ok. Ok. Allez, ça c'est pas mal. C'était compliqué, c'était compliqué. On a enchaîné 3 bêtes, pas dégueu en vrai. Bon, on va lui mettre ce qu'il mérite à celui-ci. On va totalement lui mettre ce qu'il mérite. J'essaye de brancher les murs au cas où. Allez, ouverture de bouche, on n'en parle plus. C'est terminé. Et pas évident celui-ci aussi. Hein. Pas évident, les gars, on a enchaîné là. C'était difficile. Si même Kratos dit que c'était difficile, les gars, il faut prendre en compte le fait que ce soit difficile. Ok, on va passer par ici. Alors par contre, comment récupérer ce coffre familial? Déjà ça. Ah ouais, mais non. Ah ouais, mais faut aller là-dessus. Attendez. Ok, j'ai peut-être ma petite idée. Regardez ça. Hein. Tout ça. Hop. Je vais toucher. Ok, c'est pas ça. Ok. Bon, de toute évidence, il n'y a strictement rien à faire ici. Je pense que le trésor, on le reverra bien plus tard. Sûrement de l'autre côté. C'est pas grave, c'est pas grave. Je ne suis pas déçu. En soi... Oh, bah qu'est-ce que tu fais là, mec? Je me suis dit, le mec... Il y a quelque chose devant. Tu vois, il va bien. J'ai préféré m'éclipser quand les fils dégénérés de Thor ont débarqué. Ok, bah c'est bon. C'est bon, on a notre moment. Alors ça sert à rien de parler aux nains. On peut pas vraiment parler aux nains. C'est totalement inutile, mais... Mais... Ok, non, c'est bon, c'est par ici. On les entend encore juste au-dessus, hein, les gars. C'est terrible. Hein. Il y a les neveux de Thor et le frère de Thor. Ok. Il va y avoir un sacré fight et j'ai aucune barre de rage. Est-ce que c'est possible qu'on se croise juste comme la dernière fois? En haut du mont. Récupérer un morceau de... Oh là là, je le sens pas. Je le sens pas, les gars, je vous le dis honnêtement. Ça reste entre... Dépêchons, on peut peut-être récupérer un éclat du burin et nous éclipser avant qu'il nous voie. Toi. Atreus.
Rends-toi. Le père de tout l'exige. Non. Ah. Tant mieux. C'est mon combat, Atreus. Va-t'en. Où est-ce que tu vas comme ça? Oh non, mon frère. L'avorton à un arc. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, aïe! Non, les gars! Ah ouais, ok. Je suis mort. Je peux esquiver une fois un coup, mais pas mille fois le même. Je peux pas. Ok. Oh, touche pas mon gamin, toi. Je ne me rappelle même pas la dernière. Oh là, je t'ai mis ce que tu mérites. Allez! Un vieil homme et son rejeton chétif. Touche pas mon gamin! Attendez que je passe en mode rage, bande de bâtards. Hein. J'aurais rien retiré, c'est terrible. Hein. Ok. 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 Ok, je sais pas ce qu'il fait. C'est ce que j'aime, quoi. Wouah! Je suis censé faire quoi là? Je. Ok. Vous avez des fusions, vous avez des bails. C'est quoi ce délire? Reste derrière moi, Atreus. Ok. Pourquoi nous poursuivez-vous? Je vous l'avais dit. Que veut Odin? Je sais pas, je m'en fiche. Viens là, bâtard. Arrête de te cacher derrière ton père. Tais-toi! M'appelle pas comme ça! Ok, ça dégage. Ok, ça dégage. C'est compliqué cette histoire, hein. C'est fou que tu aies tenu si longtemps. Les pauvres bras peuvent à peine soulever. T'es dit de te taire! Calme-toi, Atreus. Ok. On dirait qu'ils n'ont pas retenu la vie. Aïe. Non! Il a attrapé ton fils. Ok. J'ai peut-être fait une bêtise en le prenant tout de suite. Ok. Oh, c'est beau. Fais le vide. Concentre-toi. C'est beau. C'est ça le fort. C'est ça le progrès. Ok. Je veux ton deuxième. Oh là 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 là, c'est terrible les gars. Laisse-le tranquille. Oh là là, ok, dès qu'ils se contactent, c'est terrible. Ok, c'est bon les gars, c'est la dernière phase. Ta mère était laide. Elle t'a tailladé le visage pour que tu m'y ressembles. Ne parle pas de ma mère. Touche pas à ma maman. Ne l'écoute pas, petit. Il essaie de te provoquer. Ah d'accord, ils peuvent feinter, très bien. Imbécile. Les fils de Thor peuvent toujours essayer. Tête. Désolé, je sais, je suis allé trop loin. Ok. C'est bon là? Putain, sérieux les mecs. La règle de 3, bordel, elle est où? Ok, c'est bon. Oh, ah ouais, c'est nouveau ça. Mais
ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Et ça aussi mon pote, tu vas le manger. Ok. On va utiliser ça. C'est compliqué les gars. Si je parle pas, c'est parce que je peux pas parler, hein. Tout simplement. Non, je peux pas mourir. Ok. Oh putain du Jésus. Je vois pas quoi faire là. Ok, je travaille la poule esquive. Attends, il y a le petit frère derrière. Non. Non. J'utilise la pierre. J'utilise la pierre les gars. Deuxième fois qu'on l'utilise. Allez. C'est rien. C'est quoi? C'est quoi? Je ne savais pas. C'est pas vrai. Je comprends pas. Je comprends pas comment les tuer. Je comprends pas. Ça y est. Ça y est ou pas? Sacré traîné, avec un Faites tuer! Atreus, contrôle-toi! Comment tu fais? Tu n'as aucune idée de ce... Sale fils de chien! C'est ton tour! Oh reviens! Ne lâche! Je vais t'arracher la tête! La maladie... La fièvre est revenue. Non! C'est faux! Atreus! La toux, le sang. Ton fils est malade et il a besoin de Freya. Non! Doucement. Ça va aller. C'est bien, petit. Je vais bien, tu vois. Bon! On a réussi à en tuer un des deux. Combat clairement assez terrible, fâcheuse conséquence. C'est parti, qu'est-ce qu'on a là? Alliage légendaire, ça à mon avis les gars mâche, ça va devenir une machine. Qu'est-ce qu'on a là? Flamme de glace, cet élément extraordinaire. Ok, je sais déjà à quoi ça va servir. Ça va servir à améliorer hache, arc serre et tutti quanti évidemment. On va pouvoir ramasser ça. Les gars, on est super bien très honnêtement. On a eu très très chaud, je vais pas vous mentir, ça serait con de dire le contraire, mais on est bien, on est très très bien, j'ai eu très peur, et il faut que je rachète une pierre d'ailleurs de résurrection, ce sera que ma troisième, honnêtement ça va, on est large. Allez, on va ramasser un morceau de ce burin, on va voir un petit peu ce que ça a donné, c'est parti, régale-moi. Ok, ils étaient compliqués, hein. Le fait qu'ils soient deux c'était très 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 chiant, on va pas faire ça. C'est très bizarre ce burin. On dirait qu'il est toujours, tu vois, il fait toujours une rentrée en atmosphère. Ça devrait. Avec ça, nous pouvons graver la rune menant à Jotunheim et à votre destination. Et nous pouvons aussi ouvrir toutes les portes fermées par un saut magique que nous avons vu, comme celle qui se trouve dans ce coin. Tu peux passer cette porte maintenant que tu as le burin. Ah, ça c'est beau. Voilà à quoi il sert. Trouve le bon emplacement. Ok.
D'accord. Très bien. Ok, je pense avoir compris. Ça, c'est beau, d'accord. Et ça mène où? Je suis sûr que ça fait genre un... Tu as tué Magni. Pas qu'un peu. C'était un dieu. Mais il l'a tué. Un as mineur, certes, mais oui. Et son père est Thor. Pas mineur, celui-ci. Pas du tout. Ça ne sera pas sans conséquence, Asgard. Je nous ai défendus. Bien de plus. Je ne crains aucun jugement. Un jugement, non. Mais pour ce qui est d'une vengeance. Depuis quand peut-on tuer un dieu? D'accord, j'ai fait quelque chose. Là, on éclate tout. Très bien, on a un coffre, c'est plutôt pas mal. Je prends, les gars. Très, très bien. Ok, ça c'est fait. Ce n'est pas fini. Oncle Jackie, il reste forcément dans cette zone des petites cloches. Et alors pour les trouver, j'en ai trouvé qu'une, c'est assez terrible. Je suppose qu'il faut aller plus loin et revenir après sur nos pas. C'est la seule solution que je vois à cela. On est parti. Attends, j'escalade quoi là? On dirait des boutons d'une veste. Ok, on va passer ici. Ah, on a un raccourci, très très bien. Très très bien. Et on a le nain. Yes, j'en ai un autre ici. Saut 2 sur 3. Il en reste un. Qui doit être pas très loin. Pour moi, tout est là, les gars. Hein, mais ça dépend de l'angle, en fait, dans laquelle on le voit. On va essayer là. Précaution, sait-on jamais. On va parler au nain, d'ailleurs. Pour augmenter notre hache. Eh, on est déjà venu ici. Mais comment repartir? T'inquiète, les portes, fils. Ok, c'est parti. Oh, les vagabonds. Oh, répugnant. Oh, l'odeur. Sans parler du nombre de bestioles là-dessus. Mais belle armure. Je vais voir si je peux en faire quelque chose d'hygiénique. Hmm? D'accord, c'est parti. On va améliorer tout ce qu'on a besoin d'améliorer. Amélioration de la hache disponible. Néanmoins, est-ce qu'il serait pas bon? Ah non, j'ai pas perdu d'objet, franchement. Ça va. Pierre de résurrection supérieure. Ça, c'est le feu. Je prends immédiatement. Très bien, ça c'est fait. On a notre pierre de résurrection. On ne peut en avoir qu'une, je le rappelle. Et on va améliorer notre hache. Léviathan, c'est parti. Ok. J'ai pas spécialement vu les améliorations pour être très honnête avec vous. Sur le coup, là on peut pas. Ça, je peux l'améliorer. Réduit le temps de chargement encore. D'accord, bon. Les gars, il y a un truc qui me stresse, c'est que là-haut... Bougez pas. Et j'ai toujours pas ouvert celui-ci, hein, d'ailleurs. Si, je l'ai ouvert, j'ai totalement ouvert. C'est que là-haut, il y avait... Vous avez trouvé quelque chose dans la réserve de Fafnir? Comme une pierre à aiguiser? Je refais une dernière fois, les amis. Bougez pas. Cette réserve. Je ne vois pas où il est pour je le moment. Je ne voudrais surtout pas perdre mes meilleurs clients. On verra plus tard. Je donne ma langue au chat, les gars. Allez, hop, c'est pas grave. On passe à autre chose. On oublie. Ça me fait chier, mais c'est comme ça. J'améliorerai mes armes et tout je plus tard. Je n'ai pas l'impression que le petit aille bien. Ça va. C'est bon, il va bien. Je le connais. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Dans ce cas, ne traîne pas. Oui, père. D'accord, ok, d'accord. Très bien. C'est des portes de raccourci, hein, vous l'aurez compris. Ça mène direct à une autre porte qui avait cela. Hey, je viens de réaliser. Magni n'est pas revenu à la vie. C'est intéressant. On sait que les As trouvent eux-mêmes la voie du Valhalla. Pas de Valkyrie en escorte, pas de traitement aux portes des Limes. C'est peut-être un signe. Oui, c'est vrai qu'il est pas. C'est vrai qu'il est pas revenu à la vie. On va casser. On va prendre un bout de ça. On va ouvrir derrière le coffre, forcément, priorité au coffre. Ah, c'est tellement dommage. Je l'ai encore en travers de la gorge, les gars, pour être très honnête avec vous. Je l'ai encore en travers. Hop, on va récupérer ça. On est bien. C'est dommage, on verra ce que ça donne. On va ramasser cela. Qu'est-ce que c'est? Fais-moi rêver. Après, je vous avoue, pour tous les coffres qu'on n'a pas loupés, ça va. On peut se permettre de louper un, mais quand même. Ça, ça n'a pas été fait juste pour le coffre, à mon avis. Si, totalement. Totalement. Pourquoi il y avait... Ah,
J'ai mon idée. On est de retour à la main du géant. Hein? Quel est cet endroit? Les pêcheurs débarquaient à la prise du jour dans ce port et utilisaient cette chose pour en envoyer une partie directement aux cuisines du Jarl. Le reste était trié et vendu. Il y a une sortie sous le pouce. Trouve un moyen de passer. J'ai clairement ma petite idée et je pense que... Il est où? Où peut-il bien être? Yes, il est là. Ça ne change rien. Voilà! Elle était là, ma petite idée. Forcément, ça n'a pas été fait que pour le coffre. Les mecs, entre nous, on l'a fait pas gratos quand même. Ça a été fait pour cela. Mais alors, par contre, ça, qu'est-ce que ça va faire? J'ai fichu, aucune idée. Oh, c'était un butin, j'ai eu tellement peur. Mon cœur s'est arrêté, poussière de royaume. On trouve cette substance informe dans les brèches de royaume. Elle permet de rehausser les propriétés de divers talismans. D'accord, c'est bon pour améliorer, plus 500. Très très bien, première fois qu'on trouve ça, c'est plutôt cool. Écoutez, je pense clairement qu'on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures sur God of War. A bientôt tout le monde, portez-vous bien. Ciao, ciao.